Je suis une petite fille, je suis intelligente et je suis jolie, jolie. Si tu veux être comme moi, écoute tes parents et même tes enseignants et tu seras comme moi. Oui, comme moi. Si tu veux être comme moi, écoute les infos à la télévision et même à la radio. Et tu seras comme moi. Oui, comme moi. Tu es si triste. Laisse-moi. Mais qu'est-ce que tu as? Laisse-moi, va retrouver tes amis 5. Bonjour Tony et Fatima. Bonjour Suzy. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Zoé? Eh bien, si tu l'ignores, il a porté du virus du sida. Et alors? C'est quoi le problème? Tu ne comprends donc pas. Il va nous contaminer. Ce n'est pas vrai. Bien sûr que si ma mère m'a dit que le sida est une maladie transmissible. Ma mère me l'a aussi dit, mais en précisant que la contamination se fait par voie sanguine. Ensuite, elle m'a recommandé d'éviter d'utiliser les mêmes objets pouvant me blesser. Donc tu veux dire qu'on peut jouer avec lui? Bien sûr. On peut même manger avec lui et dormir avec lui. Si vous écoutez les infos, vous sauriez que le sida n'est pas la maladie la plus facile à attraper entre amis, ni la plus préoccupante du moment. Je n'y crois pas. Tu me convaincs et je te donne mon bonbon tout de suite. Trouve autre chose à me donner, car il n'est plus bon de se mélanger la salive. En prenant ton bonbon, je pourrais attraper une hépatite quelconque si jamais tu es malade sans le savoir. Une hépatite? Bien sûr, c'est la nouvelle source d'inquiétude en ce moment. Nous n'aurons plus de plaisir à ce ni bonbon ni mangue à deux. Je suis une petite fille, je suis intelligente et je suis jolie. Enseignant, et tu seras comme moi. Oui.